Mathias, bravo. Premier set 6-1, un peu difficile. Et comment est-ce que tu as réussi à renverser la vapeur? Ouais, premier set un peu difficile. J'avais pas. En fait, ça avait été long avant parce que le match d'avant avait été très long. Donc, je me suis échauffé plein de fois et en même temps refroidi plein de fois. Donc, j'étais un petit peu mou. Le court 13, c'est un court un peu difficile à jouer parce qu'il est un peu en pente et qu'il y a du soleil qui vient sur la droite. Donc, visuellement, c'est un peu différent. Radou, il me manœuvrait bien. J'avais du mal à servir et tout. Donc, il y avait un espèce de faux rythme. Et à un moment, je me suis approprié le match, je pense. Je me suis dit, allez, à quitte à perdre, au moins que je transpire et que vraiment je me donne et que je le fasse un peu mal, quoi. Donc, voilà, petit à petit, j'ai réussi à mettre mon jeu en place, à mieux servir. Et après, il y avait beaucoup de monde pour moi qui sont venus à partir du deuxième set. Et franchement, je suis obligé de les remercier parce que dans ce genre de conditions, quand on est mené, ça aide vachement quand même. Est-ce que ça te fait plaisir de retrouver l'ambiance des qualifications de Grand Chelem? Ouais, bien sûr, bien sûr. En plus, je trouve que c'est incroyable maintenant. Ça joue sur le Suzanne Lenglen, il y a un monde de dingue. Je trouve que ça fait complètement partie du tournoi. Là où avant, c'était un peu plus scindé, où on trouvait que le tournoi commençait à partir du tableau final et que les qualifs, c'était quelque chose de plus exclusif. Et là, c'est réservé à tout le monde. Donc, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui viennent nous supporter. Forcément, on n'a pas ça tout le long de l'année quand on joue en challenger. Donc là, c'est à la maison. Je pense qu'on est tous ravis de jouer dans ce genre de conditions, quoi. Comment tu vas préparer ce troisième tour maintenant? Là, je vais manger. Et après, je vais faire ma récup. Et je sais pas qui je joue en vrai. J'étais wildcard de dernière minute. Donc déjà, voilà, je me bats tous les jours et je suis fier de moi. Donc je vais juste me préparer au mieux et voir ce qui va se passer vendredi, je crois.